Et bonjour! Aujourd'hui, c'est l'été qui commence, alors je vais vous préparer un taboulé. Pour cela, il nous faudra de la semoule, des tomates, un concombre, des câpres, du thon, de l'amande fraîche, du sel, du poivre, du citron et bien sûr de l'huile d'olive. On va déjà commencer par préparer nos tomates. Et on va couper nos tomates. Alors très important, ne pas les épépiner. Ça c'est ma méthode. Et on va les couper en petits carrés. Comme ceci. Oui. Et maintenant, on va s'attaquer à notre concombre. Alors là, c'est simple, comme ceci, et ensuite, on l'épluche. Alors maintenant que le concombre est épluché, il nous suffit de le couper en deux, dans le sens de la longueur, comme ceci, et d'enlever par contre là, les pépins. Il faut aussi le faire avec une petite cuillère. Bon, moi je fais comme ça, j'ai l'habitude. Vous voyez. On va faire comme ceci. Voilà. Et pareil, l'autre. Voilà, maintenant qu'il est pépiné, je vais donc couper en lamelles fines mon concombre. Toujours dans le sens de la longueur, comme ça. Bien fin. Et maintenant, je mélange donc de mes tomates. Je vais mettre mes petits concombres, comme ceci. Et mélanger tout ça. Et là, je vais couper le thon. Bon, il suffit de couper ou de l'émietter, mais il faut vraiment que ça soit fin quand même, pour qu'on se retrouve avec des gros morceaux. Bon, vous voyez, ça s'émiette assez bien, pas besoin de les couper. Voilà, on fait comme ça, tout simplement. Voilà, donc là, c'est bien émietté. Et je vais rajouter ça à mon mélange tomate et concombre. Maintenant, on va couper la menthe. Alors, c'est simple, hein, moi j'attrape la menthe comme ça, je fais une boule, comme ceci. Et je la coupe. Alors ma menthe est coupée. Je vais mettre maintenant mon huile d'olive. Alors pour la quantité, je mets 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà. Je rajoute mes câpres, du poivre. Du sel, voilà, et du citron. Et je mélange le tout. Voilà donc la préparation du taboulé. Donc là-dedans, nous avons les concombres, les tomates, le thon. Donc je mélange tout ça bien comme il faut et on va rajouter la préparation, l'huile d'olive, la menthe, les câpres, le sel, le poivre et je rajoute tout ça. Voilà. Et je mélange bien. Et maintenant, je vais rajouter ma semoule. Alors là, j'ai mis à peu près 800 grammes. Voilà. Alors là, il faut bien mélanger.
Et en fait, la semoule, elle va gonfler avec l'humidité qui se trouve dans le plat, de la tomate, de l'huile, du citron. Et je vais laisser reposer dans le réfrigérateur pendant au moins 30 à 45 minutes. Après, on goûtera et on verra s'il faut rajouter encore un peu de sel. Oh, regardez comme c'est beau déjà. Et voilà notre tamoulet, sorti après 45 minutes du réfrigérateur. Alors, on le remue bien. En passant par le bas, il faut remonter comme ça. Déjà, il est super beau. Une fois qu'il est bien mélangé, on va goûter. Alors, le taboulet est absolument parfait. J'ai rajouté un peu de sel. Il n'est pas, vous voyez, pas trop mouillé, pas sec, juste comme il faut. Allez, maintenant, il faut dresser